Merci de votre présence. Bienvenue à cette réunion importante qui, pour nous, quand je dis nous, Espace Éthique Régional Rhône-Alpes et en lien avec l'Auvergne, vous savez que nous appartenons à une nouvelle région maintenant, Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai dit nous sortons d'une longue journée. Je salue tous les étudiants qui ont soutenu leurs travaux tout à l'heure. Et nous continuons par cette conférence. Nous sommes heureux de vous accueillir pour partager nos réflexions. Et nous prolongerons demain et samedi matin en accueillant la nouvelle promotion qui se posera de nouvelles questions. Heureux de vous accueillir aussi pour vous présenter ce qu'est l'espace éthique régional Rhône-Alpes. Quelles sont les missions que la loi nous a fixées et en gros ce que nous faisons. Et pourquoi prenons-nous le temps de vous impliquer? Parce que nous considérons comme le législateur français que l'ensemble des questions de santé en général, mais qui sont susceptibles d'émerger vers des questions éthiques en particulier, nous concernent tous. Pas seulement les experts du domaine que finalement aucun d'entre nous n'est vraiment, pas seulement les patients ni les professionnels de santé, mais l'ensemble de la société. Le législateur a donc souhaité la création d'espaces de réflexion éthique, comme je vous le dirais. Donc, on va balayer très rapidement ces missions qui sont les nôtres, vous parler un peu de l'enseignement interuniversitaire, dont j'ai déjà de dire deux mots, et puis vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que tous les étudiants qui ont soutenu aujourd'hui ont réussi, donc on peut les applaudir. Alors, il y a deux petites attentes de la part du jury, c'est que deux documents soient revus, soit pour des fautes d'orthographe, soit pour des bibliographies pas tout à fait encore acceptables, soit pour des structures. On vous le dira, mais c'est modeste, il est dire la qualité du travail qui a été réalisé. Et puis, deux de ces travaux seront distingués. Tout à l'heure, je vous en donnerai les titres. Nous écouterons à ce moment-là, Madame Piens, qui est la présidente de la Fondation Après Tout, qui, en tant que présidente de cette fondation, nous dira ce qu'ils font et pourquoi ils accueillent favorablement la diffusion des travaux de réflexion éthique, non seulement dans la région, mais à l'échelon national. Et puis enfin, cette conférence publique que vous attendez toutes et tous. Alors, puisque je disais que c'était le questionnement, eh bien, on va parler d'éthique maintenant. Pourquoi faire? Répondre à des questions éthiques, c'est de façon transparente, accepter, aborder de difficiles questions. Et vous savez qu'aujourd'hui, et les étudiants qui l'ont travaillé tout à l'heure ne peuvent qu'en témoigner, nous avons des difficultés de répartition des ressources au niveau de la nation. Et donc le système de santé en bénéficie pour partie, mais en pâtit pour une autre. Et au sein du système de santé, nous avons une question difficile de justice distributive. Nous ne savons pas toujours arbitrer correctement lorsque les ressources sont limitées. Il y a également des techniques qui sont disponibles, des techniques qu'on appelle biomédicales, ou des technologies médicales qui sont disponibles, et le recours à ces techniques pose des questions qui ne sont là encore pas toujours correctement tranchées. Et puis, vous savez que depuis 2002, nous sommes entrés dans une nouvelle ère qui s'appelle la démocratie sanitaire et la qualité du système de santé. Bien sûr, vous me direz que tout patient et tout soignant y pensait auparavant, mais cette fois-ci, dans la loi, et après les lois s'enchaînent, c'est inscrit profondément, et la création des espaces éthiques en 2004 entre dans cette dynamique. Alors c'est intéressant parce que parmi les méthodes de résolution des cas difficiles, il y a l'éthique de la discussion que nous devons à un philosophe allemand qui s'appelle Jürgen Habermas, mais qui est, à mes yeux, la vraie justification de création des comités d'éthique dans le monde occidental. 1976, publication de l'ouvrage de Jürgen Habermas, 1983, le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, c'est quelques années pour se dire que c'est peut-être la bonne façon que de résoudre des questions difficiles, que de se réunir à plusieurs, de croiser les regards et d'aborder ça. Mais ça ne suffit pas et il faut de temps en temps établir le lien
au niveau de la région entre le décideur et celui qui va s'impliquer dans ces questions. Et c'est l'objet de la création des espaces éthiques en 2004. Alors la loi de 2004 que je vous extrais dit un certain nombre de choses. On crée des espaces éthiques et on leur donne 5 missions. Et vous voyez, j'ai parlé du diplôme interuniversitaire en entrée. C'est la première des missions. C'est de faire de la formation ou de l'information, mais surtout de la formation profonde, de prendre le temps. Et voilà pour laquelle vous avez pu trouver à l'entrée des plaquettes qui vous précisent ce que nous faisons au sein de la région, et également des marque-pages. Si ce n'est pas à l'entrée, je vois que certaines s'interrogent, bien ce sera à la sortie. Vous aurez des marque-pages parce qu'il faut beaucoup lire en éthique, s'interroger, et donc avoir un marque-page avec soi. Nous organisons une documentation spécialisée sur le sujet. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à venir. Nous organisons des rencontres, comme c'est le cas ce soir. Nous créons des observatoires régionaux des pratiques au regard de l'éthique, c'est-à-dire quelles pratiques soignantes interrogent du point de vue de l'éthique et comment demain progresser. Et puis enfin, nous organisons des débats publics. Nous sommes ce soir à mi-chemin entre la rencontre, l'échange interdisciplinaire et le débat public, comme vous le verrez. Alors, dans la région, on travaille un certain nombre de sujets. Ces diapositives, vous les trouverez sur le site de l'espace éthique et vous trouverez beaucoup d'autres travaux, des conférences passées qui sont également disponibles pour vous. Vous voyez que nous balayons un certain nombre de sujets, et notamment l'insuffisance rénale en fin de vie, comment la prendre en charge, la vulnérabilité qui concerne potentiellement chacun d'entre nous. Si je reviens un peu en avant, les questions débattues au niveau national, comment sommes-nous capables de nous en saisir au niveau local, les questions du don d'organes, du contre-don, de la location des organes, de la greffe d'organes, de l'acceptation de l'organe, etc. Et je vous ai vu que j'ai mis en premier les directives anticipées. C'est d'actualité, vous le savez. C'est un groupe de travail qui a été piloté par nos collègues grenoblois, que je salue puisque Noël est ici présente avec Sylviane et d'autres, et qui chaque fois doit être remise à jour parce que la loi évolue, les pratiques elles-mêmes évoluent. Si je cite Benjamin Franklin, c'est parce qu'on ne peut pas faire d'éthique en regardant tranquillement. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une configuration non pédagogique. Vous êtes au cinéma, tranquillement assis dans un amphithéâtre, et vous savez que ça a été inventé par les Romains pour assister à un spectacle. Donc c'est pas fait pour réfléchir, un amphithéâtre. Et malgré tout, on va quand même essayer de le faire ensemble et de s'en donner les moyens. Le mieux, c'est de s'impliquer dans des questions, de partager son interrogation avec des confrères, avec des collègues, avec des voisins, avec d'autres citoyens, pour être plus capable d'apporter des réponses plus intelligentes. Donc ça convoque la pluralité, la richesse et la diversité des regards. Et on sait bien que si on nous dit quelque chose, on va rapidement l'oublier. Que si on nous enseigne, on peut vaguement se souvenir. Mais par contre, si on nous implique, alors à ce moment-là, on va commencer à apprendre. Et si vous voulez apprendre une partie de cette démarche, n'hésitez pas à vous impliquer dans ces groupes de travail, dans les enseignements qui commencent demain, mais vous avez jusqu'à la fin septembre pour vous inscrire. Donc n'hésitez pas à faire ceci. Si jamais vous vouliez rejoindre un des groupes de travail que j'ai cités, vous trouverez sur le site de l'espace éthique la liste des groupes et les modalités pour vous inscrire. Et si vous voulez prolonger, inscrivez-vous directement au diplôme interuniversitaire d'éthique en santé. Pourquoi ? Parce que la différence est cette chose merveilleuse que nous avons tous en commun. Nous sommes à la fois tous différents, et pourtant c'est ce qui nous réunit. C'est justement cette différence-là qui nous réunit. Et c'est pour cette raison-là que nous allons aborder la conférence publique. Mais auparavant, je voudrais donner la parole à une de nos brillantes étudiantes, qui est Yvonne Kenoun, parce que c'est un hasard, hein. Nous avons, à l'issue des délibérations, des soutenances de ce matin, des délibérations de cet après-midi, retenu plus particulièrement deux travaux qui bénéficient tous les deux de la note de 16 sur 20. 16 sur 20, au baccalauréat, c'est mention très bien, donc ça veut tout dire.
Là, on ajoute les félicitations du jury, c'est-à-dire la proposition pour avoir un prix de la Fondation après tout. Alors, les deux travaux sont celui de Stéphanie Thibault, qui n'a pas pu rester avec nous, qui est repartie, qui a travaillé sur soutenir une personne malade dans sa dimension de sujet quand la parole est empêchée. Stéphanie Thibault est infirmière à domicile, donc elle l'exerce dans un contexte très particulier, même si c'est dans une organisation de soins, mais elle exerce à domicile. Vous voyez, comment soutenir une personne malade dans sa dimension de sujet quand la parole est empêchée. Donc c'est une très bonne note et on va la proposer pour le prix de la Fondation après tout, qui nous accompagne dans la valorisation de ses travaux. Et puis je voudrais donner la parole à Yvonne Kenoum qui a travaillé, c'est vraiment le hasard, sur les pratiques religieuses en psychiatrie, le sous-titre « Entre laïcité et primauté des soins, quelle place pour le libre arbitre ?» Évidemment, on n'attendait pas de la part d'Yvonne qu'elle traite le sujet de notre philosophe patenté qui aura 40 minutes. Yvonne n'aura qu'une minute. Mais Yvonne, en parlant bien dans le micro, parce que tout est enregistré, va quand même pouvoir nous dire pourquoi elle s'est intéressée à ce sujet, comment elle l'a abordé et finalement où elle en est. Ce n'est qu'un premier pas, un an de travail là-dessus. Mais malgré tout, je tiens à dire que Yvonne est également infirmière, qu'elle est infirmière en psychiatrie, qu'elle a eu du mal à être prise en charge par son institution, donc elle a décidé de financer elle-même sa formation. Je dois dire que pour toutes ces questions-là, Yvonne est particulièrement méritante. Merci, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, c'est vrai que j'ai choisi, dans le cadre de ce diplôme, de travailler sur la question de la liberté de pratique religieuse en psychiatrie. Voilà, je me suis plus penchée vraiment sur la question de la prise en compte de la volonté du patient de psychiatrie en tenant compte de sa vulnérabilité. Ces questions-là, elles me sont venues à travers ma pratique. J'ai pu observer qu'il y avait quand même une difficulté à prendre en compte la parole du malade mental dans ces services-là, parce que simplement, il y a vraiment en doute ses capacités à raisonner. Et c'est vrai que dans l'éthique actuelle et dans la façon de voir un petit peu le soin, on donne énormément d'importance à l'autonomie des patients, à leur capacité à raisonner, à consentir, à pouvoir un petit peu compter sur ce qu'ils nous disent de ce qu'ils souhaitent. C'est vrai que le DU m'a permis vraiment pour aborder ces questions-là, d'avoir un socle quand même philosophique et éthique, bon, qui pourra paraître pas forcément énorme, mais on a eu un an, hein, mais ça a au moins permis d'avoir les bases pour pouvoir continuer sur des lectures et au moins comprendre les lectures que j'ai pu avoir. Vraiment, moi, ce que ce DU m'a apporté, c'est l'opportunité vraiment de réfléchir, de redonner du sens à ce que je faisais au niveau de ma pratique. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas forcément facile d'être infirmière en psychiatrie. Il y a voilà, beaucoup de choses qui nous sont demandées. Et remettre le patient au centre du soin, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et les théories qui sont apportées par l'éthique et la philosophie, enfin, m'ont vraiment aidé à me poser et à réfléchir sur ces questions-là. Comme vous l'avez dit, c'était court, c'était un an, donc pour moi, c'était un début. Comme j'ai dit ce matin, il y a encore beaucoup de travail à faire sur ces questions-là. Mais en tout cas, moi, ce que j'en ai retiré, c'est que le patient, quelles que soient ses difficultés psychiques ou sa faculté ou non à avoir un raisonnement, qui va pouvoir être compris, on peut prendre en compte sa volonté et ses demandes, même si on n'y répond pas directement, au moins les prendre en compte. C'est aussi une façon de témoigner de sa dignité qu'il a, voilà, de toute façon, et quel que soit son état. Voilà, merci. Merci beaucoup Yvonne, et donc on associe Stéphanie et toute la promotion des étudiants à ces applaudissements. Et je voudrais donner la parole à Madame Piens, qui est la présidente de la Fondation Après Tout,
nous dire pourquoi il paraît important d'accompagner ces travaux et surtout leur diffusion. Merci François. Bonsoir. La Fondation, après tout, s'est donnée comme objectif de soutenir financièrement et d'accompagner des acteurs du monde sanitaire, social, judiciaire et pénitentiaire, c'est-à-dire les acteurs sont notamment, parce qu'il y en a aussi d'autres, notamment les acteurs qui prennent soin des plus vulnérables dans notre société, en sachant qu'eux-mêmes le sont. Mais voilà. Parmi les propositions que nous faisons, parmi ce que nous soutenons, il y a bien sûr des formations individuelles, en particulier des formations en philosophie et en éthique, que ce soit master, le master 2 de philosophie qui se fait à la faculté Lyon 3, mais aussi en psychologie, en sciences de l'éducation, des thèses également pour des acteurs de la santé ou du social surtout. Nous soutenons aussi des colloques. Si vous souhaitez organiser un colloque dans le domaine médical, social, etc., voilà, on peut discuter d'une participation à la financière. On a soutenu des colloques dans le monde judiciaire, pénitentiaire déjà. Et puis des prix, donc il y a le prix de ce DIU Éthique en Santé, parce qu'il correspond tout à fait à l'esprit de la Fondation, à ce qu'on souhaite soutenir. Et puis aussi, nous finançons des conférences de philosophie faites à des internes de médecine générale par une philosophe. Et puis on espère bien étendre ces formations à d'autres acteurs de la santé. Voilà, ce sont quelques exemples, parce qu'il y a bien d'autres objectifs aussi. Voilà, en tout cas, je suis très heureuse de participer, que la Fondation, même si c'est moi qui en parle, participe au soutien de ce DIU. Alors, j'ai apporté des plaquettes. Malheureusement, nous sommes en train de les refaire. Donc elles sont... Mais bon, ça donne au moins des coordonnées si certains veulent joindre la Fondation. Je pense en particulier au DIU, parce que je pense à Yvonne qui n'a pas pu être soutenue par son organisme professionnel, son institution, et qui a dû financer elle-même. 1 600 euros, ce n'est pas rien, rien que pour l'inscription. Voilà, si des personnes étaient en difficulté, ne pouvaient pas faire une formation pour des raisons financières, je trouve que ce serait vraiment dommage. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Pien. Ça nous ouvre effectivement des perspectives et d'ailleurs, ça va dans les deux sens. Le soutien pour s'inscrire, donc c'est une nouveauté de cette année. Merci beaucoup. Et puis le soutien pour diffuser les travaux. La semaine prochaine, à Brest, aura lieu le colloque national des espaces éthiques avec le ministère de la Santé. Et c'est une étudiante de l'an passé qui est là, voilà. Très bien. Tiens, alors venez. Je n'ai même pas vu que vous étiez là. Vous n'avez pas vu. Venez. Venez nous expliquer ce que vous allez leur dire la semaine prochaine. En une minute. Hein. Je ne vous ai pas vu arriver. Félicitations, vous voyez comme quoi c'est en direct. Oui, j'étais pas là l'année dernière au moment de la conférence inaugurale. Donc Nathalie Sarge, j'étais effectivement en DU l'année dernière et cette année je vais donc me rendre au colloque de Brest, colloque national. J'avais travaillé moi-même, je suis infirmière à domicile également. Je travaille avec des personnes en situation de handicap neuromoteur. Et j'essaye de présenter comment nous, en tant que soignants, on peut s'emparer de la philosophie des capacités pour faire un soin de qualité. Voilà, c'est résumé très courtement, mais il me semble qu'on est vraiment sur un sens qu'on peut donner à notre pratique avec cette philosophie-là. Merci beaucoup, Nathalie. Et donc, la semaine prochaine, en 15 minutes, l'Auditoire national entendra tous vos développements. C'est parfait. Et donc, il est l'heure, grand temps, d'aller directement dans le cœur du sujet, la laïcité dans les soins.